Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien depuis la dernière fois et aujourd'hui nous allons faire comme d'habitude, c'est une vidéo ouverture de cadeaux Epic Games et nous allons ouvrir notre 7e cadeau Epic Games. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur les jeux que Epic Games nous offre. À partir de ce moment-là, on va fermer les yeux et on va compter jusqu'à 3. Je ne sais pas pourquoi je fais tout le temps ça et ça ne sert strictement à rien. Bref, je vais quand même le faire. 1, 2, 3. Et le jeu d'aujourd'hui, c'est à peu près le même style que le jeu qu'on a eu précédemment. C'est quoi le jeu déjà? C'est le jeu City Skyline. Ok, ben je vais l'acheter devant vous. À la base, il fait 20 euros. Et avec la réduction de cadeaux de Noël de Epic Games, il fait 0 euros. Alors n'hésitez pas à vous créer un compte Epic Games pour pouvoir acheter gratuitement les jeux que nous recevons tous les jours de la part de Epic Games. Et bien sûr, quand vous aurez un matériel assez puissant pour pouvoir les faire tourner, bon après ces jeux-là, ils demandent pas d'avoir un ordinateur assez puissant. Mais certains jeux comme Alien Isolation et tout ça, oui, peut-être qu'ils ont besoin de d'un bon matériel pour le faire tourner, mais quand même, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion et à vous créer un compte Epic Games. C'est très simple de se créer un compte Epic Games, il faut y aller sur la page Epic Games et sur cette page il y aura soit collection, soit connexion, soit créer un compte Epic Games et puis vous le créez. C'est très simple. Ensuite, à partir de là, il faut activer l'ADF. L'ADF, dès que vous les avez, ben dès que vous l'avez l'ADF, ben tout simplement, ben vous pourrez récupérer vos jeux gratuits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Ça me ferait grave plaisir et vous êtes les boss. Rappelez-vous de ça.